Bienvenue, mesdames et messieurs, Adira Laval vous informe. Alors, aujourd'hui, le sujet sera la fraude et aussi nous allons parler de l'anarque des grands-parents. C'est ce qui est une grande... il y a beaucoup de cas qui se présentent à Laval depuis plusieurs mois. Alors, nous avons l'honneur d'avoir avec nous l'agente Évelyne Boudreau. Bonjour. La police de Laval. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons commencer par peut-être présenter un petit film qui va décrire beaucoup la situation de ce qu'est l'arnaque, pardon, des grands-parents. Alors, c'est un sujet qui a passé à la facture, je crois. Oui. Alors, nous allons commencer avec ça, puis ensuite, nous pourrons élaborer sur le sujet. D'accord. Merci. Elle aussi a été victime de l'arnaque des grands-parents. J'ai eu un téléphone. Je vais répondre. Allô, grand-maman? Oui, ça va bien? Oui. Je te dérange-tu? Non. Il dit, ben, tu me reconnais pas. Là, j'ai dit, c'est Simon. Le scénario se répète, mais cette fois, c'est le petit-fils qui a eu un accident et qui appelle à l'aide du poste de police. Pour qu'il soit libéré, elle doit immédiatement envoyer au Liban 2 800 $ via MoneyGram. Après avoir raccroché, prudente, elle tente de le joindre sans succès. J'ai dit, Simon, c'est grand-maman, tu viens de m'appeler. Je trouvais que tu avais une drôle de voix au téléphone. En tout cas, j'ai dit, si tu as la chance, j'ai dit, rappelle-moi, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je m'en vais faire que si tu m'as demandé. Elle se rend à sa caisse, retire 2 800 $ et va au bureau de poste transférer l'argent. Entre-temps, son véritable petit-fils la rappelle, mais ne laisse pas de message. Elle revient chez elle, très énervée. Quelques minutes plus tard, en tout cas pas plus que ça, téléphone sonne, c'est encore lui. Il dit, je me suis trompée. Et c'était pas 2 800, c'était 11 800. C'est hein? Elle retourne donc à sa caisse et retire 9 800 $ de plus. Dans la même journée, Huguette Lalonde aura retiré 12 600 $. Une fortune pour cette femme aux revenus modestes. À Caisse populaire, quand j'y étais, là, tu donnes pas 9 800 pièces en liquide demain sans poser de questions, me semble. Tu sais, il aurait pu dire, êtes-vous après faire des rénovations ou quelque chose? Ils m'ont pas posé de questions. Ah oui, la mère, va-t'en avec ton argent. Alors, vous avez pu voir un petit peu ce qu'est le sujet d'aujourd'hui, l'arnaque des grands-parents. Je pense que ça l'a vraiment bien décrit, le sujet. Alors, nous allons élaborer là-dessus avec l'agente Boudreau. Alors, on va commencer par... peut-être que si vous pourriez nous parler, comment s'en prennent les fraudeurs exactement au niveau des personnes aînées? Quelle est leur façon de procéder? Bien, comme vous avez vu dans la vidéo, c'était un très bon exemple. Même ce reportage-là date de 2014 et il est encore beaucoup d'actualité. Les fraudeurs vont acheter des listes. Il y a des listes sur le marché. Je ne peux pas vous expliquer d'où proviennent ces listes, mais ils se procurent des listes de numéros de téléphone. Donc, ils vont s'installer toute une journée dans une pièce et vont faire des appels comme tout bon vendeur de télémarketing. Ouais. Et vont tenter d'attraper des gens qui sont à la maison, qui vont répondre à... soit de penser que c'est leur petit-fils, soit de faire croire qu'il y a une urgence quelconque. On vous passe une personne d'autorité, c'est soit un avocat, un policier, et on fait la mention qu'on a besoin d'un dépôt pour sortir la personne de prison. On avait à l'origine une petite modification, bien entendu, à chaque fois qu'on a l'information d'un crime, les voleurs ou les fraudeurs le modifient. Mais à l'origine, c'était
La même chose, on prend l'appel, on a un individu au bout de la ligne qui se fait passer pour le petit-fils ou encore le neveu qui dit quelque chose qui ressemble à mon oncle. Je suis à Montréal, j'ai un spécial, une vente d'entrepôt. Tu voulais-tu changer ta télévision, une télévision plus grande? Va rencontrer mon ami, donne-y l'argent à tel coin de rue telle heure. Et puis, je vais te la livrer. Donc, ça a été le début, voilà une dizaine d'années, quand okay. je travaillais au communautaire. Mm-hmm. C'était comme ça que ça a apparu, cette arnaque-là, okay. avec encore là des personnes âgées qui répondent à l'appel. Okay. Là, la modification, c'est le facteur d'urgence, le facteur de trouble. Les gens ont le tour de nous mettre en confiance et on va sortir un nom. C'était Simon, je crois, que la dame se faisait identifier. Donc, Simon laisse croire qu'il a besoin d'argent et puis on est dans le trouble. OK. Souvent, ce que moi, j'ai entendu parler, c'est que c'est ça, il disait qu'il était en prison pour différentes raisons ou sont à l'extérieur du pays. Et qu'ils ne veulent pas qu'on avise papa et maman. Je veux... Ouais. Il y a ce phénomène-là aussi qu'on a de la difficulté à confirmer par la suite. On n'ose pas appeler les parents parce que le petit-fils a demandé de ne pas le faire, okay. effectivement. Alors, ce qu'on peut recommander aux personnes âgées dans des cas comme ça, c'est peut-être de faire la validation. Je ne sais pas de quelle façon d'appeler la famille, même s'ils disent qu'ils ne veulent pas ou que ça presse, parce que c'est toujours comme ça, hein, ils vont avec le... Malheureusement, dans la vidéo, la dame a rappelé son petit-fils et il n'a pas pu prendre l'appel. Là. Donc, okay. Oui, c'est le réflexe, c'était bon là, de madame, de rappeler et de valider l'information, de ne pas faire aucun transfert via, un exemple qu'on voyait, c'était Western Union, mm-hmm. Des transferts d'argent comptant. Donc, on peut attendre, c'est pas... plus le facteur est urgent, ouais. plus le sujet met de l'emphase sur l'urgence d'agir, ouais. Plus la... La cloche devrait nous sonner, l'alarme devrait nous aviser là, qu'il y a quelque chose qui sent pas bon, d'appeler quelqu'un d'autre, une amie, pour valider. Là, ça te sonne-tu louche, toi aussi, oui. avant d'aller à la caisse retirer des centaines, des milliers de dollars pour Exactement. Un transfert? Puis il y en a beaucoup. J'ai entendu aussi que les gens... les jeunes venaient à la porte même et disaient je vais vous attendre en bas. Ce que j'ai entendu, c'est que des fois, les résidences ont des caméras. Alors, mm-hmm. ils s'arrangent pour se cacher, pour ne pas se faire voir, pour ne pas se faire détecter naturellement. Puis, ils venaient des fois chercher la personne, dire mm-hmm. je vais envoyer un de mes amis, il va à la caisse Exactement. Avec. Et puis, ils attendent à l'extérieur. Puis, des fois, ils amènent un montant, puis là, ils en veulent plus. C'est sûr, ça finit jamais. Hein? Aussitôt toujours... qu'ils ont réussi à trouver quelqu'un qui a embarqué dans leur stratagème, mm-hmm. ils vont essayer d'aller un petit peu plus loin. Puis non, c'était pas 4 000, c'était 11 000, et etc., etc. Il y a de l'emphase qui est portée par la suite. Exactement. Alors, pourquoi on cible-t-on ces personnes-là, les personnes âgées? Premièrement, je vous parlais d'une liste, mais on a... les personnes âgées sont plus souvent à la maison. Mm-hmm. Hein, et on n'a pas à sortir de la maison pendant toute une journée. Donc, c'est des personnes qui sont plus rejoignables au téléphone. Ils ont plus de temps à écouter leur... à se faire embarquer dans leur bateau, comme on dit, à leur histoire. Mm-hmm. Ils ont aussi... c'est une catégorie de gens qui ont un peu plus d'argent, peut-être en liquide à la banque, oui. Malgré leur budget serré. Eh bien, ils en oui. ont un petit coussin qu'ils ont mis de côté. Et c'est un petit peu des gens qui n'ont pas d'autres ressources. Là. Ils sont plus isolés. Ils mettent de l'emphase de ne pas rejoindre les parents ou leurs enfants pour confirmer. Donc, ils les isolent encore plus. Exactement. Et... Tout le monde sait que ces personnes-là ont plus le cœur sur la main quand vient aux petits-enfants. Exactement. Donc, c'est un sujet très... Ouais. Très, très, très vulnérable. Effectivement. Les personnes âgées. Puis, comme on dit, l'isolement, la vulnérabilité, c'est deux choses qui sont très importantes face à ça. Alors, on pourrait peut-être parler un petit peu de comment... on peut faire pour empêcher que ces choses-là arrivent. Oui, effectivement. Alors... c'est un petit peu d'écouter notre sixième sens. Hein? Je vous parlais de l'alarme qui sonne tantôt. Alors, aussitôt que ça semble pas
honnête ou pas droit, là, l'histoire, oui. Là, oui. C'est de faire des vérifications. Okay. Faut de ralentir. Ne vous sentez pas pressé. L'urgence. Le fils n'est pas prêt à mourir. Il est en prison. Il est sous bonne garde, si c'est fondé, l'histoire. C'est le cas, oui, c'est ça. Alors, il n'y a rien qui presse absolument pour transférer tous ces montants d'argent-là. Donc, on va aller valider, on va ralentir, on va prendre notre temps. Plus eux autres insistent, plus c'est louche encore. Mm-hmm. Et dire à la personne, à l'interlocuteur, « Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais aller confirmer si j'ai l'argent à la banque ou quelque chose comme ça, si je peux le sortir. Mm-hmm. » Et puis, on va être capable de le rappeler ou il donnera sûrement pas un numéro pour rappeler, non. Mais on est capable de mettre de l'emphase là-dessus. Okay. Il y a également, ça c'est notre part à nous, au service de police, on est capable de sensibiliser les différentes institutions financières. Oui. Il y a une tournée qui est faite, comme on voyait la dame au reportage, elle ne comprend pas que la caisse... Le reportage, ce n'était qu'une bride. On a le fils après qui parle, puis qui dit que ça n'a pas d'allure qu'il aille donner tout cet argent-là, oui, oui. Comptant à ma mère. Alors, le service de police, même les services de police, sont après faire une tournée des institutions financières pour les sensibiliser à ce sujet-là. OK. Bien entendu, on peut comprendre la honte d'avoir été victime, de s'être fait flouer, mais c'est de rapporter les événements qui vont aider à faire en sorte qu'on va être capable de retracer et d'arrêter ces individus-là. Les statistiques à Laval sont toujours plus hautes. Ça doit être la même chose partout, un petit peu partout, au travers de la province, mais au mois de décembre, c'est un mois un peu plus ciblé aussi. N'importe quel fraudeur, c'est Noël aussi pour lui. Oui. Donc, il travaille plus fort avant les fêtes. Alors, les policiers font le tour des banques et puis on va sensibiliser ces gens-là pour ça aussi. OK. Alors, à ce moment-là, les gens qui sont victimes ou s'ils ont un doute quand, habituellement, ils voient que quelqu'un appelle ou qu'ils sentent peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre, ils peuvent aussi dire, comme vous disiez tantôt, je pense que dire je vais te rappeler, laisse-moi ton numéro de téléphone, c'est la meilleure chose à faire. Et puis peut-être de faire le 911 pour demander si. S'ils sont pas certains. Si le fils est détenu, des fois, il parle à l'extérieur du pays. J'étais en voyage et puis là, je me suis fait arrêter. Exactement. Ils rendent l'événement plus difficile à confirmer. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose là-dessus aussi. Parfait. Alors, on va aller une petite pause et on sera de retour. Merci D'accord. beaucoup. Alors, ça serait bien qu'on puisse peut-être donner les numéros de téléphone d'urgence ou les gens, où est-ce qu'ils peuvent appeler si jamais ils vivent cette situation. Si vous avez été victime et que vous êtes prête à faire une plainte officielle au service de police, c'est le 911 de votre secteur, bien entendu. On a deux différentes lignes. On a la ligne information du service de police de Laval, qui est le 450-662-INFO. 662-4636. D'accord. Alors ça, c'est une ligne anonyme où est-ce qu'on peut transmettre des informations. Et on a aussi le numéro de téléphone du Centre antifraude qui est le suivant, le 1-888-495-8501. Excellent. Alors, n'a pas hésité. Si vous avez des doutes qu'il y a quelque chose, téléphonez. Posez des questions. Exactement. Alors maintenant, ce serait bien qu'on passe à... d'autres sortes de manipulations avec les personnes âgées, de fraude. Alors, j'aimerais ça qu'on les énumère puis qu'on puisse peut-être élaborer sur certains autres sujets, des choses que moi, j'ai vécues dans mon travail. Alors, on peut peut-être parler un petit peu du clonage des cartes de crédit, cartes de débit. Ça, on en voit de plus en plus. Oui, approchant la période des fêtes aussi, c'est un crime pas seulement qui vise les personnes âgées, oui. Qui vise un peu tout le monde aussi. En utilisant votre carte de crédit, soyez attentifs des gens qui sont autour de vous.
On a souvent un vol de NIP, le numéro d'identification personnelle. Donc, les gens vont essayer de se coller au-dessus de l'épaule de monsieur, madame qui vont composer sur l'appareil en question. Des fois, il y a des appareils qui semblent louches, soit que le fil est mal installé. Il y a des appareils qui sont subtilisés là, pour les vrais. Donc, s'assurer que l'appareil a de l'air le même qu'habituellement quand on va à ce magasin-là, par exemple. Les cartes peuvent également être transportées dans des pochettes. On envoie des fois des pochettes anti-appareils de détection. C'est une petite pochette en aluminium et qui va faire en sorte qu'on ne pourra pas, à distance, là, au travers de votre bourse ou de votre porte-monnaie. Ils vendent également des porte-monnaies faits dans cette substance-là pour empêcher que les ondes passent au travers. C'est quoi? Les gens sont capables, à travers notre porte-monnaie? Oui, à travers du porte-monnaie ou de la bourse, d'aller détecter le code-barre. Mais écoutez, ça, c'est on a déjà vu ça. C'est pas répandu, là, par tes pampeurs. Non, tout le monde qui colle votre bourse. Mais c'est plus de la prévention. Oui, effectivement. Okay. Donc, le clonage, ça, c'est d'aller copier la code-barre et... avec votre le mettre sur une autre carte et avec votre NIP, faire attention vos informations personnelles également. Donc, des fois, les dates de naissance sont utilisées pour les NIP. Faudra essayer de trouver autre chose, là. Effectivement. J'aimerais qu'on parle des vols dans la maison, parce qu'il y a deux... Il y a les vols dans les maisons, puis il y a les invasions. Alors, ça serait bien qu'on fasse la distinction entre les deux, je pense. Bien entendu. On a des introductions par effraction, donc les gens qui s'introduisent dans la maison en notre absence. Cette catégorie de voleurs-là ne souhaite pas croiser personne à l'intérieur. Donc, ils vont sonner à la porte, ils vont frapper à la porte. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il faudrait montrer signe de présence. Il y en a qui disent, moi, quand je suis toute seule, je ne réponds pas à la porte. Mais c'est là qu'ils vont faire le tour de la maison, briser une fenêtre pour aller voler. Ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma carrière de répondre à des appels de la sorte. Madame est cachée dans son garde-robe au téléphone. Mais il faut démontrer qu'il y a une présence. Soit en ouvrant, fermant une lumière, soit en se présentant à une fenêtre, puis rouvrir la fenêtre, dire « qu'est-ce que tu veux? » si vous voulez pas ouvrir la porte, c'est que... si vous reconnaissez pas l'individu à la porte, c'est plus sage là, d'y faire des signes au travers. Non, merci, je suis pas intéressée. L'invasion de domicile, notre définition pour les policiers, c'est vraiment quelqu'un qui se présente chez des étrangers dans le but de les voler. Donc, on va aller rentrer chez la personne et je pense qu'on l'a entendu à plus d'une reprise, on va ligoter les gens. Mais ces événements-là sont extrêmement rares. Les voleurs vont cibler des personnes qu'ils savent qui ont des biens au-dessus de la moyenne. Donc, c'est des gens précis, là. C'est souvent des connaissances. C'est des vols de drogue qui ont mal reviré. On va se présenter chez le compétiteur pour y voler son argent, sa drogue. C'est plus ça, nos événements, que le monde entende invasion de domicile. C'est plus des gens connus qui se connaissent dans ces cas-là. Mais des vraies invasions de domicile, là, où est-ce que c'est vraiment un voleur qui se présente chez un étranger, c'est beaucoup plus rare. Je sais qu'il y a, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, il y en a eu plusieurs, là, qu'on entendait souvent ça, qu'ils défonçaient la porte, ils rentraient. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais ça peut arriver. Ça peut être quelqu'un comme les restaurateurs, ont des fois beaucoup plus d'argent comptant, qui vont serrer à la maison. Alors, c'est plus des études de cas. Là. Les voleurs vont faire leur devoir un peu plus
Habituellement, ils savent qu'il y a quelque chose de valeur à l'intérieur. Ils vont pas là prendre la chance. C'est juste. Okay, je comprends. Alors, il y a aussi le fameux télémarketing frauduleux. Ça, il y en a. Ça, on en voit beaucoup. C'est, bien entendu, qu'est-ce qui est le plus facile, hein, d'envoyer une lettre, d'envoyer un courriel. Il y a plusieurs différentes catégories d'actes criminels dans ça. Il y a l'hameçonnage aussi, qui font semblant de ressembler à ton site de la banque. Oui, ça, on en a beaucoup de ce temps-ci, là, les banques, les caisses. Oui, vous devez venir sur notre site pour changer vos informations, sinon on ferme votre compte. Ils font des menaces, ils déterminent de l'urgence, font en sorte que c'est urgent. Alors, c'est rare que la compagnie va vous solliciter par écrit comme ça, via des courriels. Donc, aussitôt qu'il y a un courriel qui rentre comme ça, il faudrait confirmer soit un téléphone à la caisse, l'institution financière en question, pour confirmer le tout. Pour valider l'information. Effectivement. Télémarketing, les téléphones, ils vont soit vendre quelque chose, on est dans votre secteur, soit aussi, on va cogner à la porte pour changer votre toit. Là. Oui. Il y a ce phénomène-là aussi. Là. Les gens qui font le ménage, ils font des... Moi, j'ai vu ça souvent aussi, puis ils donnent un certain prix. Finalement, à la fin, bien, c'est pas tout à fait la même chose. Ils rajoutent... Donc, ne jamais rien payer à l'avance avant un contrat, là, une entente que vous faites avec quelqu'un. Toujours jamais rien payer à l'avance. Mm-hmm. Donner une partie du paiement après qu'une partie du travail soit fait. Jamais donner plus que ce que le travail qui a été fait vaut. Là. Mm-hmm. Ça serait toujours bon d'identifier la compagnie. Oui. Identifier. Exact. Moi, je pourrais peut-être parler d'un cas que j'ai vécu. C'est une dame d'un certain âge qui recevait toujours à la maison qui disait qu'elle était pour gagner un million, un auto. Des lettres, mais il fallait qu'elle envoie des frais pour ci puis des chèques pour ça. Le dédouanage, les taxes. Exactement. Puis que finalement, elle finirait toujours. Écoute, c'était rendu des piles comme ça. Puis elle s'imaginait, là, il y avait des photos de sœurs, de frères, quand je parle de religieux, là. Fait qu'elle était devenue. On essayait d'expliquer, c'est ça, c'est un aidant. Elle disait que c'était devenu ses amis, puis il fallait qu'elle les aide. Fait qu'elle était... On a essayé d'expliquer, mais elle ne voulait pas comprendre parce que c'était dans sa tête qu'elle aidait des gens. Mm-hmm. Alors, mais ça, il faut faire très attention. Puis là, on dirait quand ils disent oui à un, là, ça suit, là, ça finit plus. Là, il y a un autre, puis un autre qui arrivait. Fait que là, elle faisait des chèques. Puis la pauvre madame, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Fait que. Oui, c'est très désolant à voir ça. Les gens croient aider, mais ils se font avoir. Exactement. Alors, il y a aussi les renseignements personnels. Ça, on en a parlé un petit peu avec les banques et tout ça. Ça, c'est important pour protéger. On voit ça beaucoup, soit au téléphone ou sur l'Internet. Il n'y a pas aucune compagnie qui va vous demander de façon... sans que vous l'ayez demandé vous-même avant. Là. Si vous faites des approches auprès d'une compagnie pour acheter quelque chose, ils vont vous demander votre carte de crédit. Mais si c'est eux autres qui vous appellent ou qui vous écrivent sur Internet, il n'y a pas rien qui justifie de transmettre votre numéro d'assurance sociale, le nom de votre mère, votre adresse complète, toutes des informations que vous savez que vous donnez habituellement pour ouvrir des comptes de banque, pour ouvrir chez le notaire, faire des documents légaux. Exactement. Ça, on voit ça aussi. Moi, je pourrais parler aussi de la manipulation des familles qu'on vit souvent dans des cas qu'on traite chez Dira Laval. De faire attention au niveau des familles, des fois aussi, il arrive des choses, c'est malheureux, parce qu'on s'en rend compte des fois, être un petit peu tard. Mais j'ai déjà vu des enfants qui demandaient à leurs parents de signer ça. C'était pour les aider au niveau des impôts, pour sauver de l'argent, pour toutes sortes de raisons. Mais finalement, au bout du compte, on s'en est rendu compte que la dame avait signé une procuration puis qu'il y avait donné accès. C'est la définition d'une fraude. C'est de façon mensongère tenter de retirer quelque chose à quelqu'un. Exactement. C'est effectivement un cas exemplaire. Puis ce que je trouve de triste, c'est que souvent, les cas d'abus qu'on voit, c'est souvent 99,9 Des membres proches. Des membres proches de la famille. Puis je dis toujours, puis je veux réitérer là-dessus, que c'est important que les gens à qui on donne plein pouvoir de toutes sortes de choses, que ce soit au niveau de la procuration, mandat d'inaptitude, procuration...
de s'assurer qu'on choisit les bonnes personnes, puis de reviser ça de temps en temps, parce que des fois, les gens qu'on avait nommés il y a quelques années, des fois, 3-4 ans plus tard, c'est plus les mêmes personnes. Puis ces gens-là, c'est les gens qui... On leur donne plein pouvoir de gérer toutes nos choses. Alors, à ce moment-là, c'est un gros pouvoir. Exactement. Et puis, il faudrait qu'on parle un petit peu de stress, d'anxiété, là, que toutes ces histoires-là... Là... Bien entendu, la honte est un élément très présent lorsque on entend des exemples de la sorte. On le voyait sur le reportage plus tôt. Madame, elle s'en veut énormément. Donc, faut que vous disiez que c'est pas, vous n'êtes pas la seule victime. Tout le monde pourrait se faire manipuler de la sorte. Les émotions sont très présentes là-dedans. Donc, portez plainte pour qu'on puisse faire payer ces gens-là. Mm-hmm. N'ayez pas cette honte-là qui vous mène. Donc, passez à l'acte. Exactement. Vengez-vous. C'est ça. Il faut les rapporter, ces cas-là. Puis je pense que c'est en les rapportant qu'on va pouvoir, en tant que communauté, bien agir puis aider les futures, les autres personnes pour pas à qui ça arrive. Alors là-dessus, je vous remercie de votre présence à notre émission, en espérant qu'on a aidé les personnes âgées. Merci.